Tu as été amoureuse d'Adrien Agrest? Oui. Mais à cause de cet amour, je faisais n'importe quoi. C'était trop lourd à porter. Et toi, Chanois? T'as plus de sentiments pour Ladybug? Non. C'était trop lourd à porter. À cause de cet amour, je faisais n'importe quoi. Il te restera toujours des fans. Peut-être qu'il ne serait plus si fan s'il savait qui se cache derrière le masque. Ça ne me gêne pas que tu portes un masque. Peu importe qui il y a dessous. Tu es fan à ce point-là? Je suis super, super fan. Fan du genre à... Fan du genre... qui est prête à faire ça. Oh! Ça? Oui. Et même ça. Pourquoi pas... ça? Attends, qu'est-ce qui nous arrive là? C'est trop bizarre. Je veux dire, je fais n'importe quoi. Non, non, pas du tout, t'es super. Non, je sais qui tu es, mais tu ignores qui je suis vraiment. Et je profite du fait que tu sois une fan pour t'embrasser. Non, pas du tout. Mais si, et c'est mal. Ah, j'en ai vraiment marre que ce soit les autres qui décident ce qui est bon pour moi. Je te raccompagne. Marre, j'en ai marre. Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse? Pourquoi je peux pas aimer qui je veux? Tu peux. Pas moi. Pas dans ces conditions. Une jeune femme au cœur tendre, rejetée par son idole et blessée dans son amour propre. Voilà un rendez-vous galant que mon Mikakuma ne raterait pour rien au monde. Kalki, ton pouvoir est à moi! Voyage, mon Mikakuma! Fais danser à cette amoureuse déçue le tango des romances sans lendemain! Marinette, résiste! Tu dois lui résister! Démasqueuse, je suis monarque. Ton idole préfère te repousser parce que tu ne sais pas qui se cache derrière son masque. Mais si tu le découvrais, il n'aurait plus d'excuses. Tu as raison. Je t'en supplie, résiste! Ne l'écoute pas! Je te donne le pouvoir de découvrir qui se cache derrière le masque. Tout ce que je te demande en échange, ce sont les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Marinette, embrasse-moi! Je suis désolée, j'aurais pas dû t'embrasser, mais tu m'écoutais pas. J'essayais seulement de t'aider, de te sauver. C'était pas un baiser d'amour. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai failli me faire accommodiser. C'est toi qui as raison. Tous les deux, on fait vraiment n'importe quoi.